Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube avec aujourd'hui donc l'unboxing d'un deck Pokémon TCG, un TCG que j'apprécie pas des masses, mais voilà. Donc aujourd'hui ce sera le starter à thème eau lumineuse, donc eau électricité. C'est un des trois starters proposés avec la sortie de Soleil et Lune. Les deux autres étant le deck avec Archiduc et qui est basé uniquement plante, et après vous aurez celui avec Fel Inferno qui est basé feu et combat. Celui-ci, bon, je l'ai pas dit, mais du coup c'est avec Oratorium, comme vous pouvez le voir du coup sur la vidéo. Voilà. On va pas tarder à passer à l'unboxing. Donc il faut savoir que là l'audio est enregistré à côté en fait, tout simplement parce que j'ai eu un petit souci au niveau de l'enregistrement. Si vous allez regarder la rediff du live, vous vous rendrez compte qu'à un moment ça passe à un doublage un écho plutôt de ma voix. Donc je suis en train de refaire l'enregistrement par-dessus. Donc ce deck est sorti le 3 février 2017. Il est édité par The Pokémon Company et c'est un des trois starters du coup de Pokémon Soleil, de l'extension Soleil et Lune. Donc voilà. Je suis en train d'essayer de regarder comment je peux ouvrir la boîte sans trop l'abîmer, parce qu'il faut savoir que c'est un ami qui l'a acheté donc à sa sortie le 3 février et qui me l'a passé le 28 mars pour que je puisse tourner mes vidéos. Et il se trouve que du coup, je l'avais gardé que pour cette semaine, pour ce week-end-là, puisque il me l'a passé le 28 mars, donc le premier week-end, c'était le week-end du 1er et 2 avril, donc pour le Hakon. C'est l'heure du duel, la mission hebdomadaire sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à passer. Donc là, dans la boîte, qu'est-ce que nous avions? Donc nous avions le plastique qui protège le tout, l'ensemble. Avec les cartes, une belle boîte en carton, contrairement à ce qu'on a d'habitude. Et là, je me suis rendu compte, en plus de ça, qu'il y avait le code pour récupérer la version numérique du deck sur le jeu Pokémon TCG Online. Donc, on remarque la belle boîte en carton, un peu façon carte à jouer, décorée avec l'art d'Oratoria. Donc, qui n'est pas l'art de la carte, mais qui est un bel art quand même. Voilà, donc je vous montre l'art d'Oratoria que je vous remontrerai un peu plus tard. Donc vous avez le traditionnel jeton également pour pile ou face avec Hautaquin sur le jeton, tout simplement. Ensuite, on a ici, c'est le livret de règles. C'est le petit fascicule pour l'apport de l'extension Soleil et Lune dans le TCG Pokémon. Voilà, donc avec notamment les Pokémon GX qui sont un nouveau type de Pokémon. Et donc l'implication, le fait également qu'il y ait les formes d'Alola qui soient signifiées dans le coin supérieur gauche. Et également la nouvelle indication de la brûlure. Et au dos de ce papier, il y a toutes les cartes de l'extension avec bien sûr les raretés pour cocher si vous faites vraiment que la collection. Un peu comme l'ami, je pense, puisque sinon il aurait déjà joué, il aurait déjà réclamé son deck bien avant, enfin il l'aurait ouvert bien avant, il ne me l'aurait pas prêté pour ça. Ensuite, on a les fameux jetons pour les dégâts, donc les jetons de 10, de 50. Et celui de sang, ainsi que celui que le jeton de brûlure et le jeton d'empoisonnement. Donc, si vous vous souvenez du à quoi on joue que j'avais fait sur Pokémon TCG, on n'avait que les jetons de 10, le jeton d'empoisonnement et le jeton de brûlure. Donc, c'est plutôt cool qu'ils aient fait des 50 et 100, c'est vachement pratique, ça permet d'avoir un petit peu moins de tas de jetons sur les cartes. Donc, là, on a le terrain. Donc le temps que je le déplie, parce que j'ai eu des graves soucis pour déplier les trucs avec le setting que je mets en place pour les vidéos. Donc là, je vous montre d'un côté et je vais la retourner parce que je me rends compte que de l'autre côté, on voit légèrement au-dessus
les starters de Pokémon Soleil et Lune. Et le bleu est bien plus chouette que le orange. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo, enfin à la base. Donc vous avez les zones habituelles entre les 6 cartes récompenses, le banc, le Pokémon actif, le deck et la défausse. Hein, voilà, donc c'est beau, hein, j'arrive quasiment à recoordonner le temps de plier tout ça. voilà, donc pour le terrain. Et donc au dos, vous avez le livret de règles. Que je pensais au départ que c'était juste le livret rapide, mais en fait non, non c'est toutes les règles, c'est le livret de règles au complet qui est imprimé au dos du coude du terrain. Voilà. Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je replie? Non. Là, du coup, on devrait passer sur les cartes, voilà. Donc, hop, je mets de côté Oratoria pour ouvrir. Enfin, je vous remontre l'art d'Oratoria Foil. Puisqu'il y en a une autre dans le deck en non-foil. Donc voilà, le temps que j'ouvre la petite boîte sans l'abîmer, parce qu'elle est vraiment jolie. Donc comme je l'ai dit, c'est un deck électrique feu haut. Donc voilà, des énergies haut, hein, pop. Un Loupio, du coup Pokémon électrique. Top, il faut que je laisse le temps. Hein. Alors, le Loupio, et après des énergies électriques, une énergie électrique, une Féblobole en carte dresseur, le temps que je remette toutes les cartes en place, voilà. Donc la Féblobole, Otacain, le Faquin, énergie eau, Togedemaru, Lanturne, Coquillasse, énergie électrique, Crustabri. Alors, faut que j'en mette tout ça, je tienne que ça correctement. Cristabri, donc, le Corailleux. Merde, j'arrive pas à voir ce que c'était. énergie eau, j'ai pas vu, potion, énergie électrique, Togedemaru, Psychoquack, Chronoball, énergie eau. Ponchien, Piafabec, Ponchien. Ah non, Ponchiou, Piafabec, Ponchien, pardon. C'est Pokémon, quoi, c'est ça. Voilà, c'est énergie électrique, j'arrive pas à voir. Ça doit être Oratoria. Starlette, énergie d'eau, merde, Tili, Otacain, Loupio, énergie électrique. Trick, je sais plus quoi, ball, énergie eau, récupération d'énergie, énergie, ponchio, j'arrive plus à savoir c'était Lilish, car énergie eau, corail, psychoquack, crustabri, coquillasse, c'était coquillasse, énergie électrique, professeur Ford, une ball, chronoball, énergie eau. J'arrive pas à voir. J'ai pas vu non plus ce qui vient de passer. c'est un bon chien. Ah bon, bah, énergie électrique, Tili. J'arrive pas à voir. C'est toujours le même que j'arrive pas à voir. Piafabec, énergie, eau, potion, Otarlette. Et voilà. Donc, comme d'habitude, là, dans ces decks Pokémon, je crois que. Il y a 60 cartes. Donc le temps que je rassemble toutes les cartes que je recompte, vous allez voir, je vais pas, enfin, je peux recompter si vous voulez, mais c'est pas très amusant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Parfait. Voilà, bon.
Je me suis pas planté, c'est beau, tout ça, c'est propre. Et donc voilà pour l'unboxing de ce starter aux lumineuses Pokémon TCG. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, tout le tralala habituel. Et je vous dis à ciao, à plus et à bientôt pour de nouveaux unboxings. Ciao!